La cathédrale de Dresde, témoin de deux manifestations. D'un côté, une chaîne humaine de 10 000 personnes, certains brandissant des croix gammées barrées, un signal contre l'extrême droite et la xénophobie. Les néo-nazis qui récupèrent cette commémoration, la destruction de la ville bombardée par les Alliés en 1945, pour parler de victimes allemandes. Je pense qu'il est bien important de me solidariser avec ma ville et de montrer qu'il n'y a pas de place pour les extrémistes. Je suis ici en mémoire des victimes de la guerre et pour donner un exemple contre le racisme. Au cri de nazis dehors, les manifestants pacifistes ont fait face aux néo-nazis bien moins nombreux que les années précédentes, environ 600 personnes. Et c'est sous les sifflets que les deux courants de pensée se sont toisés, séparés par un cordon de policiers.